Ça va. Bien. Maintenant, peux-tu me dire combien de nageoires je bouge? 2. C'est exact. Tu es un poisson en parfaite santé. Suivant. Oh non! Fais-moi voir ça! Ne t'inquiète pas. Je m'appelle Pesso. Je suis un octonaute et infirmier. J'aide tous ceux qui sont blessés ou malades. Je vais te faire un bandage et ce sera vite guéri. Tu peux y aller. Les eaux de l'océan Arctique sont froides. Je rentre à l'octocapsule pour me réchauffer. Oh, ma trousse! Oh non, il faut que je la retrouve. Oh, c'est une palourde. Oh, elle doit bien être quelque part là-dessous. Oh, oh! Oh, un morse! Oh. Il se sert de ses défenses pour dénicher des palourdes. Il va peut-être m'aider à retrouver ma trousse. Oh, merci! J'étais... Oh, étrange cette palourde. Oh, je vais l'amener au chef. Attends, reviens. C'est pas une palourde, c'est ma trousse de premier secours. Capitaine. Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Capitaine, ma trousse a été emportée par... Par un morse. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, pourquoi un morse s'intéresserait-il à une trousse de premier secours? Il a cru que c'était une palourde. Oui, les morses adorent manger des palourdes, capitaine. Il y avait tous mes bandages et mes médicaments. Sans ma trousse de premier secours, je ne peux plus soigner les animaux. Ne t'inquiète pas, Pesso, nous allons retrouver ce morse. Partons à la poursuite de ce voleur et nous allons l'obliger à te rendre ta trousse, miaou! Pesso, Quasi, au Gup A. Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Ah, un morse à moustache droit devant. Nous sommes en plein milieu d'une colonie de morses. Waouh! Regardez comme ils sont nombreux! Si ta trousse est là, eh bien nous la trouverons. Bonjour! Vous allez sûrement pouvoir nous aider. Nous cherchons... Mais vous n'êtes pas des morses, vous! C'est exact! Nous sommes octonautes! Vous êtes dans une colonie de morses, et uniquement de morses. Doucement, doucement. Nous voulons seulement... Allez, Oust, partez, partez. Oui, oui, d'accord, mais attendez, non... Oh, allez-vous-en. Patience, on la récupérera. Il m'a pris en traître. Vous n'êtes que des lâches. On trouvera bien un autre moyen pour nous infiltrer parmi eux. Et puis, splatch, nous sommes tous tombés à l'eau. Les morses n'aiment pas partager leur espace avec d'autres créatures. Si je comprends bien, si t'es pas un morse, tu ne peux pas y aller. Mais si on ressemble à un morse et qu'on agit comme un morse, alors peut-être qu'on pourrait se faufiler et récupérer ma trousse de premier secours. Twig, nous allons avoir besoin de toi. Pas de problème, capitaine. Octonaute, lancement de l'opération Octomorse. C'est parti! Tu crois qu'ils vont nous repérer déguisés comme ça? Pour récupérer ma trousse de premier secours, il faut tout tenter. T'as raison. J'appelle Shellington. Ici le capitaine Barnacle. Nous nous faufilons au travers de la colonie des morses. Excellent. Il est très important que vous agissiez comme un morse. Mais ne le laissez pas vous bousculer. Oh, tu dois être nouveau.
Les morses se disent bonjour en se soufflant sur le visage. Faites la même chose, sinon il va croire que vous êtes mal élevé. Un peu léger, ton salut. Il faut souffler plus fort, tout le monde. 1, 2, 3. Bah, voilà qui est beaucoup mieux. Ravi de te connaître. Si tu as des palourdes en trop, donne-les au chef, il a très faim. Il faut partager ta nourriture jusqu'à ce qu'il soit guéri. D'accord, merci de me prévenir. Ça marche, on a réussi à entrer dans la colonie. C'est un des pansements de Pesso. On ne doit plus être loin. Soyez très attentifs. Aouh, tu m'as marché sur le pied. Désolé, mais il n'arrête pas de se frotter à nous et de nous coller. Oui, comportement typique de Morse. Ils aiment se blottir confortablement les uns contre les autres. Je sais pas si c'est confortablement, mais je commence à fatiguer. Oh, ça va mieux. Restez sur vos gardes. C'est qui lui? À nouveau, c'est ça? C'est lui qui a remporté ma trousse de premier secours. Vite, Shellington. Un morse furieux est en train de foncer droit sur nous. Nom d'une méduse, le morse vous défie. Il veut voir qui est le plus grand et le plus fort. Si on veut qu'il nous dise où est la trousse, il faut relever le défi. On peut être plus grand et plus fort que lui. Montez sur mes épaules, capitaine. Plus haut. Ça va aller, Pesso? Oui, ça va. C'est bon. Tu es plus fort que moi. Où est ma trousse de premier secours? Ta trousse de premier secours? Elle est blanche et elle contient tout ce qu'il faut pour... Oh, tu parles de la drôle de palourde blanche que j'ai trouvée. Je l'ai donnée au chef pour lui remonter le moral. Lequel d'entre eux est le chef? Le chef est probablement le morse le plus gros avec les plus grosses défenses. Ah ah! Amenez-le-moi! Quasi, remets-toi vite en position! Je peux pas me remettre sur ma position si vous êtes assis sur ma... Des intrus! Courez! Capitaine, à vous! Que se passe-t-il? Vous avez trouvé le chef? Shellington, ce n'est pas le moment! Conduisez-les au chef! Comme ça, on va pouvoir lui expliquer. Chef! Silence! Qu'est-ce que vous faites dans notre colonie? Parlez! Écoutez, on ne voulait pas vous déranger. On veut juste récupérer la trousse de Pesso. Vous parlez de cette étrange palourde blanche? C'est bien ça, c'est ma trousse de premier secours. Votre trousse de premier secours? Je suis le chef des morses, donc c'est la mienne. Nous ne cherchons pas les ennuis, mais cette trousse appartient à mon ami Pesso. Vous vous prenez pour qui pour vous infiltrer parmi nous et venir me dire ce que je dois faire? Oh non, sa nageoire. Arrêtez, vous ne devriez pas marcher avec une nageoire blessée. Si je ne vous fais pas un bandage tout de suite, la douleur va être de plus en plus forte jusqu'à... Ma nageoire me fait très mal. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je me suis foulé la nageoire il y a quelques jours. Maintenant, je ne peux plus nager. C'est pour ça que tout le groupe vous apporte des palourdes. Vous pouvez faire quelque chose pour moi. Une nageoire foulée, je vais avoir besoin de ma trousse. Non, d'accord. Tenez. Non. Voilà, c'est comme neuf. Oh, merci, ça va déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Et moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ma trousse de premier secours. Et rappelez-vous, allez-y doucement avec votre nageoire. D'accord. Et n'hésitez pas à nous rendre visite quand vous voulez. Je vous déclare, vous octonautes, membres d'honneur des morses. Répétez après nous la formule de bienvenue officielle.